Hey yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez courte où on va s'ouvrir un petit booster lourd parce que ça fait plaisir. Les boosters lourds au moins, normalement t'es sûr d'avoir du lourd dedans comme le nom l'indique. Donc qu'est-ce qu'on a au programme? Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature. Aujourd'hui un booster de la nouvelle extension Star Étincelante, illustration Farfaduvet. Et ce booster normalement est bien lourd. Contient une bonne carte, et par bonne carte, j'entends pas forcément ce que vous pensez. Ce booster normalement contient une carte CHR, TG, appelez ça comme vous voulez. Le focus. Oui, une carte TG ou CHR, comme je disais, donc les espèces de Secret Rivers qu'ils ont remis dans cette extension. Et si on a de la chance, peut-être qu'il contiendra aussi un code online noir, donc une super carte à la fin. Un double hit si vous préférez. Ça serait cool, mais en tout cas normalement il contient déjà une bonne carte pour sûr, donc on va s'ouvrir ça tout de suite et on verra si j'avais raison. De toute façon, si j'avais pas raison et qu'il n'y a rien dedans, je pense que la vidéo ne sortira pas et donc vous ne serez jamais au courant de son existence. Et voilà, parce que bon, sortir des fails ça va 2 minutes, mais c'est un peu relou. On est là pour voir du spectacle, oui ou non? Bon, est-ce que le code online est blanc ou noir? Attention. Ok, je me suis fail. Donc je disais attention, ah c'est un code online blanc. Donc ça veut dire normalement déjà qu'on a une rare. Mais, la CHR devrait tomber tout de même. 1, 2, 3, 4, 1, 2, tout simplement. Espérons une petite bonne carte. Et c'est parti du coup. On commence avec un focus qui veut pas bien se faire. Si c'est bon, on commence avec un coupe-note suivi de Tarinor. Ensuite, Stalgamin. Tic, tout simplement. Dédé en dernière commune, pardon. Une énergie psy, pas mal. J'aime bien les énergies, les nouvelles énergies. Staros, Dimoré, Terraclope. Alors, normalement, c'est là qu'on a quelque chose en reverse, qui est la TG02 sur TG30. J'ai eu la TG3 en plus, il y a pas de temps. Je crois que c'est une évolution. Oui, on a Aquali en secret reverse, du coup. Et purée, le focus, je sais pas pourquoi des fois Montel il galère. Voilà, merci. Du coup, Aquali magnifique, j'adore. Oh là là, regardez-moi cette carte avec, si je dis pas de bêtises, Léo à côté. Léo, et en rare, normalement on a rien du tout, mais bon, on sait jamais. Voilà, un Dracarmin. Le code online blanc, c'était bien pour indiquer ça. On va sliver du coup le petit Aquali. Hop, allez. Paquet de sleeve. On voit pas souvent d'ailleurs. Alors, tac. Bon, bah voilà. Tu vois, comme je le disais, il y avait bien une petite secrète à la place de la reverse. Le focus a vraiment du mal, c'est parce que je mets en 60 fps. C'est pratique parce que là, du coup, vous voyez ma main bouger de façon très fluide. Mais le focus galère à se faire et même, voilà, il se fait tout seul des fois. On lui demande rien, il le fait quand même. Bon, bah c'est quand même une carte plutôt sympathique. Voilà, c'était un petit booster lourd. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les mecs. Ça m'a fait plaisir en tout cas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider. À plus.